De la métropole HM Habitat à Montpellier. La tour Fondelray. Il ne faut pas se voiler la face. Les images parlent d'elles-mêmes. L'état des lieux des appartements vacants, condamnés depuis plusieurs décennies, du bailleur social de la métropole HM Habitat a donc de graves répercussions sur la santé des habitants de la résidence Fondelray. L'état du lieu. Vous allez voir l'état du lieu de ces appartements. C'est à vous de juger. C'est à vous de constater, c'est à vous de comprendre la stratégie d'HM dans ce domaine. Le service d'hygiène de la ville de Montpellier multiplie les rapports sans signaler l'état de ces 6 appartements qui appartient à HM. Circuler
il n'y a rien à voir. Ni le DOC, ni la Fondation l'Abbé Pierre, ni l'association Habiter Enfin, ni l'association Tininen, ni la CAF de l'Hérault, ni le réseau Payadin, ni Medilibre, ni la Gazette. Ni l'adage qui soi-disant assure la protection et l'accompagnement du public fragilisé par l'âge, le handicap, la précarité, n'ont parlé de cette question. C'est à cause de ces associations-là qu'ils ne sont que les outils du système que la paillade est devenue dans cet état d'insalubrité urbaine, humainement engagée. Pour mieux vous informer, nous souhaitons dénoncer la stratégie d'ACM sur les copropriétés dégradées, puisqu'on connaît son passif à la Tour Catalogne et dans la résidence Fontelleray et sa capacité de détruire de manière volontaire l'intérieur de 6 appartements pour ne pas être mise à la location. La solidarité nationale pour le logement. Lutte contre le logement vacant.